Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Encore une fois, Clémentine, tu t'es inspirée d'un élément de la vie de notre invité Patrice Laffont, et tu te demandes si tu ne devrais pas faire la même chose. Patrice Laffont, on vous connaît surtout pour avoir été le maître de Fort Boyard et l'animateur du jeu quotidien Pyramide. Mais vous avez également été journaliste sur Europe 1. Dans mes rêves les plus fous, c'est le métier que j'aurais voulu faire. Mais attention, journaliste au cœur de l'action. Seulement voilà, je ne suis pas spécialement très courageuse. Parfois, le fait juste de sortir de chez moi est un combat. En même temps, je vais peut-être rencontrer des gens que je connais dans la rue, à qui il faudra que je dise bonjour. Et il suffit qu'il y ait un caniche devant moi pour que je change de trottoir. Oui, ça peut être féroce, un caniche. Je ne suis pas le genre de personne galvanisée par la peur, mais plutôt paralysée par la peur. Je n'étais bien sûr pas de sortie vendredi 13 dernier, parce que vendredi 13, je suis sortie du boulot et hop métro et hop chez moi, je n'avais plus rien à manger et il fallait que j'aille faire des machines, mais non, j'ai préféré céder à la superstition plutôt qu'à la faim et aux vêtements propres. Et j'ai passé une soirée incroyablement merdique et ennuyeuse, seule à bouffer des chips devant la télé. On devait enregistrer une émission de radio le lendemain. Suite aux attentats, j'ai eu Nicolas au téléphone qui ne voulait pas l'annuler. Sur le coup, je me suis dit, mais c'est qui cet inconscient de connard? Si, si, j'ai vraiment pensé ça. Ah d'accord. Je ne risquerai pas... C'est bon à savoir. Je ne risquerai pas ma vie pour enregistrer une chronique débile écoutée par trois pelés. Si, si, désolée, je me suis dit ça aussi. D'accord. On annule l'émission quand un invité ne vient pas. Par contre, quand il y a des fusillades dans tout Paris, alors là, on n'annule pas. Le soir même, finalement, ça a été annulé. Je voyais des amis poster des statuts sur Facebook. Il va falloir beaucoup d'amour pour dépasser tout ça. J'étais, wow, tcho tcho. Il va falloir surtout rester chez soi, oui. Oui, moi, grosse flippette. En temps de guerre, vaut mieux pas m'avoir dans son bataillon. Ah. Et j'ai passé deux jours cloîtré chez moi, rideau fermé, au cas où le soleil... à regarder BFM en boucle. Moi qui ne regarde jamais les infos, n'ouvre pas plus un journal ou n'allume la radio. J'entendais mes voisins aller et venir et je me disais, mais pourquoi ils sortent? Beaucoup de personnes sont justement sorties pour aller rendre hommage aux victimes, pour déposer une bougie, des fleurs et pour montrer que la vie continuait. Alors merci à tous ces gens de redonner du courage aux trouillards comme moi d'avancer. Je n'ai peut-être pas la légitimité de parler de cette peur et de ces attentats de cette façon, mais si les proches des victimes et tous ces gens qui ont survécu écrivent des messages d'espoir et tentent de se relever, alors nous aussi. Et je me suis dit, ces connards de terrorisme ont eu deux jours, pas un de plus. Si U2 est sorti, alors moi aussi. Et je suis sortie ce lundi où tout avait changé. Pas franchement par choix, mais parce que je devais aller bosser. Avant, dans le métro, ma préoccupation principale, c'était est-ce que je vais me trouver une place assise parce que je déteste me maquiller debout. Oui, je suis ce genre de chieuse que vous avez envie de tarter qui se maquille dans le métro. Maintenant, j'ai tout le wagon pour moi. Et oui, on est terrorisés les premiers instants. On se regarde tous comme si on avait des explosifs planqués sur nous, à se dire « ce mec-là, il est juste gros ». Ou il cache quelque chose. La moindre valise est scrutée. Lorsque le métro s'arrête entre deux stations, on s'imagine le pire. On prévoit de se cacher sous la banquette, arracher un strapontin pour s'en servir de bouclier ou briser la vitre de sécurité pour s'échapper. Malgré tout, depuis, je savoure le fait d'être en vie, de sentir. Même les remontées de canalisation des toilettes du bureau. De manger, même des trucs que j'aime pas. D'écouter des nouvelles musiques. De sentir la pluie sur mon visage, même si après j'ai les cheveux qui frisent et je ressemble à un mouton. De vous parler aujourd'hui, de pouvoir dire ce que je pense dans ce pays, d'être libre. Bon, depuis, je m'épile aussi beaucoup plus souvent. Si jamais il m'arrive quelque chose et que je suis secourue par des pompiers sexy, je veux au moins être présentable. Si pour les terroristes, ceux qui assistent à un concert de Eagle of Death Metal sont des idolâtres dans une fête de perversité, alors je me mettrai à les écouter, ça me changera de Chantal Goya et de Lille aux enfants. S'il suffit de boire un verre en terrasse pour qu'ils se sentent menacés, alors buvons. Moi depuis, c'est tous les soirs. Je me suis même mise au Beaujolais nouveau. Ça a goût de banane, de tout et de n'importe quoi. Alors je me dis qu'en buvant une bouteille, ça doit bien faire un repas complet. Je me suis mise à fumer aussi, des gauloises. Les touristes désertent Paris, alors j'essaye de relancer l'économie française comme je peux.
Bon, de toute façon, à partir du moment où on est en vie, on est en danger de mort, dit ma maman. Et après tout, on peut très bien mourir en tombant dans sa baignoire. Ça, par contre, c'est de moi. Et ceux qui connaissent ma baignoire comprendront. J'ai pour l'habitude de parler de moi dans chacune de mes chroniques. Celle-ci n'a pas été une exception. Et normalement, à la fin, je demande un conseil à l'invité. Mais ne vous en faites pas, pas cette fois. Vu la catastrophe de trouille que je suis, être journaliste, je vais éviter. Mais merci de m'avoir écouté. Ah, bravo Clémentine, c'était bravo. Super. C'est vrai que normalement tu demandes toujours un petit conseil à l'invité. Oui, mais là je me suis dit, il y a trop à dire. Il y a trop à dire. Radio VL. Radio VL.